Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch de Biohazard France ce soir pour donc l'event sur la PlayStation 5. Et on va passer tranquillement cette soirée ensemble, puisque Sony va nous donner des informations pendant à peu près une quarantaine de minutes, hein, si on en croit leurs informations, durant lesquelles on va découvrir les prochains jeux des studios mondiaux et des partenaires de développement, pour lesquels, on l'espère, Capcom figurera en bon rang, et notamment pour son Resident Evil Village, Resident Evil 8, qu'on attend de pied ferme. C'est le huitième opus de la saga. Bon, alors, il nous avait promis une mise à jour en août, Capcom, mais ça s'est pas fait. Donc, de ce fait, on attend impatiemment de nouvelles infos. On sait déjà que ce sera le cas au TGS. Donc, rendez-vous le 25 septembre déjà à 15h en plein après-midi. J'essaierai de couvrir cet événement. Normalement, j'ai pas d'interdiction à mon planning pour ce faire. Donc, voilà, ce sera avec plaisir qu'on se retrouvera aussi le 25 septembre. Mais pour nous, ce qui nous intéresse en priorité ce soir, c'est, on l'espère, de nouvelles informations, de nouvelles images, pourquoi pas un nouveau trailer, de nouvelles révélations aussi, parce qu'on ne sait pas si éventuellement Sony annoncera la VR sur cette génération de consoles. Donc peut-être qu'on aura de bonnes surprises de ce côté-là. Donc on verra bien. Oui, je regarde un peu le timing là, 22h. Donc, on saura ça dans une douzaine de minutes. En attendant, ce que je vous propose, c'est peut-être, eh bien, de revisiter le tout premier trailer qui a dévoilé Resident Evil Village, et on se retrouve, eh bien, juste après. PEGI 18. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free of mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine, under branch, and into the forest deep. What is it with that creepy story? It's just a local tale. You're really into that stuff? Quit being so paranoid. No, no! Friendly! Friendly! Who are you? Who sent you? What are you? They're coming. Who is? Sorry, Ethan. Why?
Voilà, donc beaucoup de mystères qui entourent ce nouveau titre Resident Evil à venir, donc vous l'avez compris, en 2021. On n'a pas la date encore précise de dévoiler. J'ai vu un peu sur Internet que Dusk Golem avait annoncé qu'initialement Capcom voulait sortir en janvier 2021. Bon, il n'y a rien de moins sûr de toute façon. Souvent, Capcom sort au premier trimestre d'une année, à la fin de son exercice fiscal, ses jeux. Donc effectivement, ça pouvait être sous-entendu que Resident Evil 8 sortirait soit en janvier, enfin en tout cas de janvier à mars. On en saura un peu plus dès que Capcom diffusera ces informations. Donc là, ce soir, à 22h, donc on n'est plus très loin, il reste 8 minutes, c'est la conférence PlayStation 5. On va donc voir les nouvelles infos et les entrailles de la bête. Hein. C'est une console de nouvelle génération. La PS4, bon, est quand même en fin de vie. Hein. Il y a quand même eu deux modèles, la PS4 normale et la PS4 Pro. Donc personnellement, moi j'ai simplement la PS4 normale. J'ai investi plutôt dans une Xbox One X qui bénéficie d'un vrai lecteur 4K. Et donc après, bien sûr, en concurrence de la PS5, vous aurez directement la Xbox Series X qui promet également. Donc Xbox a déjà annoncé les tarifs. PlayStation, on attend de pied ferme leur communication sur ce sujet puisque les précommandes ne devraient plus tarder à être lancées. Étant donné que les sorties sont prévues mi-novembre, voire troisième semaine de novembre. Juste avant ça, il reste quoi, 7 minutes. J'ai peut-être le temps à ce moment-là de vous mettre. Attendez, je regarde l'interview des développeurs que nous avons traduit en français d'ailleurs sur la chaîne YouTube de Biohazard France. Concernant Resident Evil Village. Donc on se regarde ça et puis on se retrouve juste après pour lancer la conférence, je pense il sera temps. Hi, I'm Tsuyoshi Kanda, producer on Resident Evil Village. And I'm Pete Fabiano, also producer on Resident Evil Village. We hope you all had the chance to check out and enjoy our trailer. Some of you are probably wondering why we didn't just call the game Resident Evil 8. Well, it's still the 8th in the series, and we're treating it as such. You can even see the Roman numeral 8 in the game logo, so it's Resident Evil 8, just not in name. Yeah, I like the play on the design and the simplicity in the name. But we'll touch more on that a little later. For now, why don't we just jump in and let viewers know a little bit more about the game itself. First off, Resident Evil Village will be available on PlayStation 5, Xbox Series X, and Steam. Right, and in line with previous Resident Evil titles, we're using RE Engine. That engine brought Resident Evil 7 Biohazard, Resident Evil 2, Devil May Cry 5, and most recently, Resident Evil 3 to life. We were able to take all that we learned from those titles, along with our internal development efforts, and optimize the latest version of the engine for the next generation of consoles. With the combined power of Next Gen and RE Engine, we can take our developers' vision to new heights. Once again, we're planning a fresh take on survival horror, this time upping the ante on action a bit. Realistic graphics and immersive audio, coupled with no load times, will really draw you into the world we've created for Resident Evil Village. Speaking of which, the game takes place a few years after the events of Resident Evil 7 Biohazard. Right, and it follows the story of protagonist Ethan Winters. Ethan's gone back to living an ordinary life. But of course, it wouldn't be a proper story without a new challenge to overcome. Chris Redfield, a decorated hero fighting against bioterrorism, makes his return, but not in the way you'd think. He's the reason Ethan's life gets turned upside down. Let's take a look at some key art. You can see Chris looking dark and far more brooding than in earlier Resident Evil appearances. The last thing worth mentioning in terms of characters here is the village itself. It plays such a crucial role as the backdrop and setting of the game that we consider it very much its own character as well. Right, shifting gears, let's talk a bit about the game's design. You'll notice the familiar first-person perspective from Resident Evil 7 Biohazard. It really helps bring players into the world. It makes them feel like they're Ethan, with the same sense of heightened tension and fear. Here's a quick look at the game running in engine. The team is working really hard to create a great experience.
You can really see the details, even close up. Let's take a look at the inventory. For players familiar with Resident Evil 7 Biohazard, or the recent versions of Resident Evil 2 and 3, you'll be right at home. We hope you enjoyed this additional look into Resident Evil Village. Oh, and here's one more piece of key art. You might want to pay extra close attention to this one. There's a lot that's being shown in it. So much so that we debated whether or not to actually put it in the announced trailer. Take a look and let your imagination run wild. We are aiming to have more to show you towards the end of summer. So, until next time. Donc là, je vous mets en zone d'attente en attendant le début de la diffusion de l'event PS5. À tout de suite. Voilà, donc je me suis connecté à la chaîne PlayStation France, YouTube, puisque apparemment il y aura les sous-titres français par rapport à cet event. Donc je reprends l'antenne, et bien dès que ça se lance, à tout de suite. Ça y est, c'est parti. On entre dans l'univers de la PlayStation 5. This planet seems somehow different. Where are we? You see things others can't. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Au niveau du son, tout est bien chez vous. Je vais peut-être baisser un tout petit peu au niveau de leur diffuseur, voilà. Je remettrai plus d'audio en plein écran, mais pour le moment, je pense que comme ça, ça doit passer crème, tranquille. Vous me dites, hein, sur le chat, si vous êtes connecté. Voilà, la PS5. Eh bien, bienvenue à toi, nouveau follower. You all know the target. Shiva's dominant. And only the dominant. How do we even know the girl will be among us? Our kind do not question orders, we follow them. Sergeant, let's summon their icon. Icon? That thing's a bloody mountain. Par contre, j'ai pas l'impression qu'ils aient mis les sous-titres en français. Je vais juste vérifier une chose. Ah non, apparemment non. Pas très grave. Bon, du coup, je les enlève, hein, ça fera plus propre. Did you not pledge your sword to our cause? What does it matter? It was the Dalmechs who drove back the Crusaders in the Battle of the Twin Realms, was it not? Without the blessing of the Mother Crystal, we cannot defend our realm from the spread of the Blight. We'll be right back.
Do they really mean to invade us? It's the Archduke's son. Phoenix. Eh bien, Final Fantasy XVI, premier titre à se révéler ce soir, une exclusivité sur PlayStation, mais aussi disponible sur PC. Alors je vous rappelle, là ça va durer à peu près 40 minutes. Ça va défiler, donc on espère qu'on aura des news sur Resident Evil Village. Là, c'est capturé depuis la PlayStation 5. Enfin, tous les kits de développement, en tout cas, de la PS5. Et non pas émulé sur PC, comme c'était le cas pour Final Fantasy XVI. Bon, là on est sur un Spider-Man. Subway card, check. You got the house key? Yeah, I got it. Come on, we're gonna be late. Hey! Dude, I am so filling your suit with snow. Are you still wearing your suit? Yeah, you know, just in case. It's gonna be fine. See, this is my favorite part of living in Harlem. Pop-up street fair, best food in the city, awesome music. Man, this would be great for the last beat I was working on. I should get back into mixing. Yeah, it's been a while. What do you think about Rio Morales? You gonna vote for her? It's still hard to think of mom as a politician. She's been a teacher my whole life. Similar skill sets, right? Corralling people, educating them, making sure they don't throw things at each other. Hi, I'm Brian Horton, creative director at Insomniac Games. We're excited to show you this first look at gameplay from Marvel Spider-Man Miles Morales. Our story picks up 1 year after the events of the first game, and we find Miles' new home, Harlem, is in danger. Trouble brews while Miles' mom, Rio Morales, leads an election rally, a war between the devious energy corporation Roxxon and the underground. Bon, c'est les commentaires des développeurs qui ont été traduits en français, ça c'est bien. De ce fait, captured on PlayStation 5 hardware, the underground attacks, sending the rally into chaos in a fight that spills onto the Braithwaite Bridge, where the underground tries to steal Roxxon's experimental energy source, Nuform. Let's take a look. Bon, ça approche vraiment du réalisme animé là. Let's not shoot each other, all right? Yeah!
Ignore everything else. Get rid of him. Then grab as much as you can carry. Salut à toi. Voilà, ils sont pas avares de gameplay sur Spider-Man. Hein. Ça fait un bon 5 minutes là qui nous montre le gameplay du jeu là. Bon, c'était beaucoup à base de Quick Time Event, hein, on l'a vu, avec des touches à presser au moment opportun pour déclencher la scène suivante. Miles Morales. Ok. Bon, c'est pour cette fin d'année 2020 alors. Salut Pierre. Bah voilà, tu vois, je fais mes débuts sur Twitch. Enfin, j'avais déjà fait un ou deux events avant, mais là c'est vraiment le démarrage. Donc bah content de te voir avec moi ce soir. On espère bien sûr avoir une bonne nouvelle côté Resident Evil 8 Village.
binds together our long history. That common bond we share is... Ça va, tu entends bien le son du stream et puis le son de mon micro, pas de souci. Now it is time to add your own story to these hallowed halls. And quite possibly shape the future of the wizarding world. Every corridor, every bon bah tant mieux pour un début. C'est déjà pas mal de gérer, de bien gérer la technique. Who came before. Here you will meet lifelong friends. On est sur du Harry Potter là. Magical abilities in the classrooms of the world's most talented professors. And while your journey begins at Hogwarts, brewing potions, taming fantastic beasts, and mastering spells. Je sais pas ce que t'en penses, mais on passe un niveau au-dessus quand même côté graphisme. Hein. Sans, on change de technologie, on change de génération de console, et ça promet. That strange and mysterious talent you possess may be the key to unlocking this dormant power. Your potential is limitless. Putain, ils nous ont piqué un île gigante de Resident Evil 4 dans Harry Potter. Je dis ça partout où je vois des trolls, comme dans Le Seigneur des Anneaux, etc. Ah ouais, les précommandes, ouais, ça c'est sûr. Entre les jeux et les consoles. Moi, j'ai pas encore décidé si je jetais mon dévolu sur la PS5 ou sur la Xbox Series X. Ça dépendra d'un... un tas de critères. Je me suis pas encore décidé en fait. Et faut avouer que cette PS5 fait bien envie. Hi everyone. I'm Dan Vondrak, Creative Director at Raven. One of our goals as developers is to bring the game world to life unlike anything you've ever experienced, and the PlayStation 5 is making that happen. With the power of the new console, we've been able to significantly enhance the overall experience. From what you see in the world, to how it feels in your hands, to what you hear around you. In Black Ops Cold War, you will be transported to the year 1981, in the middle of one of the most dangerous times the world has ever known, the height of the Cold War. The following is a portion of the first campaign mission where you've been given the name of a high-value target linked to the Iran hostage crisis. But in true Black Ops style, nothing is as it seems. Take a look. Kasim is out of the picture. How long before we get Arash? Ouais, c'est toujours le réflexe que j'ai aussi d'attendre un peu. Effectivement, que les premières séries essuient les plâtres. Après, j'avoue que s'il y avait un Resident Evil direct à la sortie, ce serait compliqué de résister à l'achat direct d'une console. Mais pour nous qui sommes fans avant tout d'une licence, d'une saga, voilà, ça peut peut-être valoir le coup d'attendre un peu. À moins que le catalogue soit vraiment très très étoffé à la sortie, parce que ça aussi c'est un des problèmes majeurs, enfin en tout cas c'était un problème majeur par le passé quand des constructeurs... n'avaient pas tous les éditeurs avec eux pour supporter leur console. Bah souvent, c'était le cas pour la Dreamcast notamment chez Sega. Et bien ça manquait de catalogue à la sortie et ça, c'est jamais bon pour le business. Surtout aujourd'hui étant donné la concurrence très 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 sévère que se livrent et Sony et Microsoft et bien sûr Nintendo. Ouais.
Bon, là, ça va ravir tous les amateurs du genre. Et Dieu sait s'il y en a. C'est pas impossible hein, parce que Resident Evil Village a très peu dévoilé de son potentiel jusqu'à présent. Donc on sait pas si le titre sera axé VR, si Sony va annoncer la VR sur cette génération là. Mais c'est clair qu'en bundle, je verrais bien Resident Evil 8. Comme d'ailleurs sur la PS4, il y avait eu un bundle avec Resident Evil 7. Capcom a aussi d'autres grosses licences hein, comme les Street, etc. Pour de toute façon faire le bonheur des collectionneurs et des amateurs de bundles de consoles. Oui, ça j'en doute pas le VR2, mais bon, on attend qu'il soit vraiment annoncé officiellement. De toute façon, quand on voit tout ce qu'il est capable de faire aujourd'hui en VR sur PC avec l'Oculus notamment, voilà, moi ça me laisse rêveur de savoir que des titres d'horreur comme Resident Evil 8 vont vraiment dévoiler tout leur potentiel. Déjà avec le 7, c'était terrible pour ceux qui ont eu la chance de le faire en VR. Alors je n'ai même pas imaginé avec le 8. Même si ce sera moins, je vais pas dire moins accessible, mais moins jouable en tout cas que sur PC avec l'Oculus Rift pour les déplacements vraiment dans les pièces sans fil, etc. Parce qu'aujourd'hui, ce qui bloque énormément la VR, c'est effectivement le filaire qui permet pas d'avoir une totale liberté de ses mouvements, en tout cas dans la pièce où on joue. Cold War features the next generation of multiplayer online combat and an all new awesome zombies experience. Today, I have the special honor to announce, on behalf of my friends at Treyarch, that the PlayStation community doesn't have to wait to play multiplayer. Starting this Friday, PlayStation players will be able to play the multiplayer. Oui, j'en dis 40 minutes, mais il y a déjà beaucoup de titres qui ont pris beaucoup de temps. For those of you that are watching at home on your PS4, donc, you can preload the experience. À moins qu'il n'en ait pas beaucoup à présenter, ce que je pourrais redouter, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure en avant-propos, par rapport à un catalogue étoffé à la sortie d'une console. Mais bon. Allez. Bon, si jamais je vois que c'est du Village, je passe en plein écran, hein. Ok. On savoure. Bon, allez, on sait jamais. All clear. Chris, what the hell? Ouais. New trailer. Ça c'est cool. In life and in death, we give glory. The bell tolls for us all. They're coming again. Ils reviennent. OK. Alors. Mia. Mia. Quit being so paranoid. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence. The bushes empty.
Yet determined to find the berries, the rascal broke free of Mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine, under branch, and into the forest deep. Cette animation fait très animation Tim Burton. J'adore. Voilà, c'est des incantations. On est dans le village, qui sera un personnage à part entière. Hein, je rappelle, les développeurs l'ont précisé. Est-ce qu'on va avoir droit à des phases de gameplay? Non. On restera sur plutôt un trailer cinématique, un peu comme le premier. Bon, ben voilà. Ah si, quand même. If it's just looking, window shop away. Bon, ben d'accord. On va analyser ça après coup, tranquillement, image par image, parole après parole. Bon, en tout cas, voilà, le nouveau trailer de Resident Evil Village est paru. Dans cet event PlayStation 5 ce soir. Bon, c'est cool. J'en attendais pas moins. J'ai eu du flair. You gotta learn how it works. Black Reef is a puzzle. And each visionary is a different piece. Ah oui, pour les collectionneurs Resident Evil, c'est clair que chaque nouveau titre qui sort, c'est autant de produits dérivés, autant de produits promotionnels, du Not For Sale à collectionner, et donc, bah, c'est un peu comme tout le monde, on va devoir mettre la main au porte-monnaie. Hein. Surtout si on compte sur Capcom, ils nous pondent des versions collector. Voilà, un collector RE8, tu vois, on est synchrone. Bon, c'est cool. Bon, par contre, on n'a pas eu d'annonce concernant la VR sur ce titre encore. Bon. On va patienter, je pense. C'est quand même inquiétant parce que, bon, même si il est retardé, enfin, il sera un peu retardé, d'après ce qui s'est dit sur la toile, ça n'empêche pas que sur le set, ils avaient très très rapidement communiqué sur l'aspect VR du titre. Parce que, quand même, ça se produit en amont, ce genre de programmation. Yet somehow he never makes it to the party. Something keeps him home. Cold? You there, buddy? Here's the invite to the party. And here's why Igor blew it off. He made some kind of scientific breakthrough that morning. I did it! I did it! It works! Bien, c'est très cool ça. Alors donc. Unless I get there first. No experiment, no breakthrough, no reason for Igor not to drink his disappointment with Alexis. Now I got a shot at killing them both at the same time, in the same loop. On my list, every one of them with grand plans for eternal life. To break the loop, I gotta break the rules. Clock's ticking. And you just ran out of time. You keep forgetting, Colt. I'm not like those other idiots. Only got one name on my list. Yours.
Ça aussi, ce sera une exclusivité PS5. Ouais, c'est sûr que bon, ils peuvent faire ça aussi, mais bon, je vois mal quand même un développement de jeu après coup. Ah bah tiens, encore un autre jeu Capcom. On va regarder ce dont il s'agit. C'est vraiment une technique qui demande à vraiment à évoluer encore. Hein. Ah, un petit Abe. The World Inhabitants. What are they doing? Did those fugitive morons burn down their own hideout? It sounds idiotic, but. Oui, ben, à ce moment-là, une version exclusive de RE8 uniquement en VR, comme sur certains jeux. Alors, il pourrait peut-être faire des épisodes ou des. Alors, pas des DLC, parce que le DLC vient compléter le jeu d'origine, mais. Voilà, il pourrait faire des petites. Des extra games comme ça, en rapport avec l'univers de Resident Evil 8. Ça, c'est possible. Pourquoi pas? But soon discovers it has only just begun. The stakes are higher, the threats are larger, the obstacles are more devious, and it's all made possible by the power of PlayStation 5. Enjoy. Abe's World. Ça aussi, c'est un jeu culte PlayStation. Hein. On n'oublie pas que le tout premier est apparu sur la toute première PlayStation. Alors, ceux qui n'y ont jamais touché, je ne peux que vous recommander chaudement ce titre. Essayez de le trouver en rétro gaming. Je pense qu'il peut se trouver à bon prix. Donc, bon, voilà, c'est vraiment un univers complet à part qui est vraiment aussi envoûtant. C'est génial, l'Odyssée d'Aïe. Wait here. Hey, why'd you hold up? I could go for a sandwich right now. We gotta get out of here. Come on, let's get out of here. My tummy's growling. I'm hungry. Stop. Soulstorm. Old World Soulstorm. Voilà. Bon, et maintenant, qu'est-ce que nous réserve Sony?
Ils ont démarré à l'heure, hein, donc on est à 34, ouais, ça fait 35 minutes. Ils devraient rester entre 5 et 10 minutes à tout casser. Gregory, your friends are worried about you. À moins qu'ils aient décidé de rallonger leur stream. Please come out. Gregory, I may have lost my temper earlier, but it was just a glitch. It won't happen again. It's been such a difficult day for all of us. Why don't you come out and we can play a game together? It won't happen again. Gregory, be still. I think she's found us. Ouais, ça c'est pas mal, hein. Five Nights Freddy. Et maintenant, Blue Point Games. En tout cas, avec ce Demon's Souls, ça montre les capacités de la console à nous donner des décors comme ça, médiévaux, des châteaux à la Resident Evil 4, ce qui pourrait augurer de ce que Capcom nous présentera par la suite si un jour ils font un remake de Resident Evil 4. Avec les boss géants qui vont avec. Toujours magnifique ça. Bon cher le mec. You die.
You died. L'alternative. L'alternative, pardon. À You are dead. Je préfère le You are dead que You died. J'ai toujours préféré cette phrase dans les Resident. En tout cas, c'est beau, hein. C'est beau, c'est bien lumineux, c'est. Ça bouge bien. Demon's Souls. Okay. Bon, qu'est-ce qui reste encore à voir? À votre avis? Enfin, quand on voit qu'ils sont frileux à reproduire un remake de ou un HD remaster de Resident Evil Outbreak 1 et 2, tu sais, je compte pas sur des jeux de, alors je vais pas les appeler de seconde zone, mais de, en tout cas de second choix comme Dead Aim ou Resident Evil Gaiden. Je pense que déjà, s'ils feraient un remake de Dino Crisis, on serait déjà tous heureux. Moi le premier. Ah, ils vont parler de PlayStation Plus Collection. Comment que ça va marcher sur leur truc? Sur leur nouvelle plateforme. Can you kill something that big? God of War, Bloodborne, Monster Hunter World, bon, ok. Final Fantasy XV, Fallout 4, Mortal Kombat X, Uncharted 4, Ratchet Clank, Days Gone, et Until Dawn. Ça va, y a du choix. Detroit Become Human. Battlefield 1 aussi. Infamous Second Son. Batman Arkham Knight. The Last Guardian. The Last of Us Remastered. Persona 5. Resident Evil 7. Bon, ouais, je joue un peu sur tout, mais en ce moment, ouais, je suis sur PS4. J'ai un tas de jeux que j'ai pas encore fini. Mais sinon, bon, je refais un peu les résidents sur un peu tous les supports, parce que bon, il faut bien débloquer tout sur tous les supports. On n'a plus les codes Action Replay d'antan qui nous permettaient, quand on avait fini un jeu, que ça nous saoulait de le refaire sur un autre, d'avoir des codes pour tout débloquer. Donc il faut remettre le cœur sous l'ouvrage, comme on dit, ou je sais plus comment ça se dit, mais bon, voilà. Il faut refaire là à chaque fois les jeux en entier pour tout débloquer un max. Bon, ça se termine alors. Je pense que l'on finit, non? Ils vont encore parler un peu de leur console là. En tout cas, ils sont dans le timing, ils avaient dit 45 minutes. Je crois que c'est ça. Hein. Alors, ce que j'aime pas avec ces designs-là, c'est que
ils pensent pas collectionneur pour mettre des. Ah bah ça y est, donc les prix 499 la PS5 et la Digital Edition en 3,99. Okay. Le 12 novembre et 19 pour le reste du monde. Ok. Bon bah voilà, on a et le prix et la date de disponibilité. So now you know. Thank you on all sait for tout, joining okay. us today and for being part of this bah rien, amazing chef. Journey. It's your passion as fans of gaming that drives us to deliver a truly new generation of experiences on PS5. From everyone at PlayStation, we appreciate your continued support and we look forward to you getting your hands on PS5 very soon. To close, let me leave you with one more quick look. Un nouvel aperçu du jeu. Quel jeu ? The time draws near. Aurait-il gardé le meilleur pour la fin ? Ragnarok is coming. Bon là c'est un patchwork de tous les jeux qu'on a vu ce soir qui résume donc le lancement de la PS5, en tout cas sa présentation officielle au niveau de sa date de sortie et de son prix dans cet event ce soir. Le jeu n'a pas de limite. Bon alors c'est quand même la cinquième génération de PlayStation. Bon, je crois que c'est terminé, non ? Il y a des chances. Ouais, je pense que là, c'est terminé. Alors, je reviens. Voilà, sur mon écran de présentation. Bon, on a eu la chance d'avoir le nouveau trailer de Village ce soir. Donc, bon, bah, je vais vous le travailler et vous le uploader, bien sûr, sur la chaîne YouTube de BioHazard France. Il y aura certainement des assets presse également. Au niveau des screenshots, peut-être de nouveaux artworks, on verra bien. De toute façon, on se tient au courant, on se tient au jus sur le site, sur le forum et sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, bien sûr, Twitter, il y a aussi mon compte Instagram. Et je viendrai streamer de temps en temps ici ou commenter des events sur la chaîne Twitch de BioHazard France.
Voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui m'auront suivi ce soir. Alors, bonne soirée. Je vais vous préparer une petite vidéo pour demain parce que Capcom TV d'aujourd'hui a présenté quand même deux titres VR qui sont Valiant Red et puis l'autre, c'était Walkthrough, je ne sais plus quoi d'ailleurs, je l'ai noté quelque part. Ouais, Walkthrough the Fear. Donc, ce sont des attractions au Japon. Voilà, ils ont montré ça. J'ai trouvé ça sympa, donc je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Allez, ben bonne soirée à tous, merci de m'avoir suivi et on se retrouve à très bientôt sur les différents réseaux de BioWizard France. Ciao, ciao.